Masechet Gittin, daf mem gimel, hamoud bet. On va commencer par mem gimel, hamoud alef, un peu après la moitié de la page. Amar Rava, keshem shamekadesh hatsi isha, ena mekudeshet, kach, hetzia shifha vehetzia bat horin, shenit katcha, en kidusheha kidushin. On parle toujours du Hetzio Eved ve Hetzio Ben Horin. Mais maintenant, on parle d'une Shifha, qui est Hetzia Shifha et Hetzia Bat Horin. Lorsque un esclave ou une servante cananéenne, Eved Kenani ou Shifha Kenanit, avait deux propriétaires, et l'un des deux l'a libéré. Ce qui fait que maintenant, il est au service d'un des deux propriétaires à 50% et il est libre à 50%. Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin. Imaginons maintenant la même chose avec une Shifha. Elle est Hetzia Shifha et Hetzia Bat Horin. Et voilà que maintenant, une personne, un juif classique, est venu et l'a épousé. Il lui a donné une bague, il lui a dit « Hare'at mekudeshet li betaba'atzo kedat Moshe v'Israël » Est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Nous avons une règle. Dans Maseret Kiddushin d'Avzaïn, il est écrit qu'un homme qui prend une bague et un juif normal qui dit à une jeune fille juive classique, il lui dit « Je voudrais épouser que la moitié de ton être, la moitié de toi, la moitié de ta personne. Je ne veux pas épouser toute ta personne que la moitié. » Quel est le sens? Le sens, pour mieux comprendre le sens, il faut passer à l'homme. Quel est le din si un homme dit à une femme, à une jeune fille, « Areat mekudeshet li » à la moitié de ma personne. Areat mekudeshet le hetzi à la moitié de ma personne. Mekudeshet, oui ou non? Oui, mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire je me laisse la disponibilité à 50% pour épouser une autre femme. C'est ça ce qu'il voulait dire. Que tu saches, tu es avisé, tu es averti. Ne dis pas qu'après c'est une surprise. Je t'épouse, mais je voudrais prendre une deuxième femme. Comment il s'est exprimé pour dire « je vais prendre une deuxième femme » Il a dit « tu vas épouser que la moitié de ma personne, car l'autre moitié de ma personne, elle sera consacrée à quelqu'un d'autre. » Eh bien, ça marche, car un homme a le droit d'épouser deux femmes, mais une femme n'a pas le droit d'épouser deux hommes. Donc maintenant, si c'est l'inverse, un homme qui dirait à une femme « je voudrais épouser la moitié de ta personne. » Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Car ça voudrait dire que tu pourras épouser un autre homme. Eh bien, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Isha lebetre la hazia. Alors maintenant, la question se pose. Quel est le din? Un homme qui épouse la moitié d'une femme, mais pas une femme juive classique. Une fille qui est Hetzia Shifha et Hetzia Bat Horin. Étant donné que là, il ne peut pas épouser plus que la moitié. Car vous le savez très bien qu'on ne peut pas épouser une servante cananéenne. La notion de Kiddushin n'existe pas avec une servante ou un esclave Kenaanim. Car ils ont été comparés à des Hamorim. Comme Eliezer et Ishmael, auquel Abraham Avinu avait dit au moment de la Akeda, « Chevou lachem po, aima hamor, vani v'annaar nelcha adko v'nishtahave v'nashuva alechem. » Hachamim disent, que veut dire « Chevou lachem po, aim ha hamor, restez ici avec le hamor, ha'am hadome la hamor, un peuple qui ressemble au hamor, de la même façon que le hamor appartient à son propriétaire. » Ainsi, le Eved Kenani appartient à son propriétaire. Alors maintenant, une Shifha,
qui avait été libérée par l'un de ses deux propriétaires, et donc maintenant elle est à 50% la propriété du deuxième propriétaire, mais elle est à 50% libre. Elle est déjà à moitié juive. Imaginons qu'un juif classique prenne une bague et lui dit « Ariat mekoudeshetli, betabaadzo kedat Moshe v'Israël ». C'est vrai qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais il a fait. Alors maintenant, est-ce que Kiddushin Tofsin, est-ce que les Kiddushin ont pris effet, est-ce qu'elle a besoin d'un guet ou pas? Rava nous dit que Shem Shemekadesh Hatsi Isha Ena Mekudeshet, car Hetsia Shivha Hetsia Bat Horin Shenit Katsha En Kiddushéha Kiddushin. Rava dit de la même façon qu'on ne peut pas épouser à moitié une jeune fille classique, ainsi on ne pourra pas épouser une jeune fille qui est à moitié Shifha, à moitié Bat Horin. Mais maintenant, on va voir un débat à ce propos. Darash Rabba Baravuna. Rabba Baravuna va dire la même chose que Rava. Et en plus, il a fait cette dracha en public dans le Bet Amidrash. Il a dit que Shem Shemekadesh Hatzisha Ena Mekudeshet. Car Hetzia Shifha Hetzia Bat Horin Genit Kadesha Ena Mekudeshet. De même qu'un homme ne peut pas épouser la moitié d'une jeune fille, ainsi un homme ne peut pas épouser une fille qui est Hetzia Shifha et Hetzia Bat Horin. Exactement comme a dit Rava. Une esclave qui est à moitié affranchie. Amar le Rav Hizda. Rav Hizda a fait la remarque à ce Rabba Baravuna, ce grand maître. Il lui a dit, excuse me, mais tu t'es trompé. Tu as fait une comparaison qui n'est pas raison. Tu as dit que de même qu'on ne peut pas épouser une femme à moitié, ainsi on ne peut pas épouser Hetzia Shifha Hetzia Bat Horin. C'est totalement faux. Pourquoi? Midami, est-ce que c'est comparable? Hatam Shier Bekinyano, Hachalo Shier Bekinyano. Dans le premier cas, pourquoi un homme qui épouse une jeune fille classique, elle n'est pas mécoute d'échette quand il a épousé qu'à moitié? C'est parce qu'il a laissé une autre moitié. Or, c'est ou tout ou rien. Étant donné qu'il a épousé que la moitié en disant « je te laisse l'autre moitié disponible » entre guillemets pour épouser un autre homme, comme c'est impossible, alors les Kiddushin sont disqualifiés, sont invalides. Mais là, en l'occurrence, à propos de Hetzia Shifha, Hetzia Bat Horin, une esclave qui est à moitié affranchie, quand il l'a épousée, il a épousé toute la partie disponible, à savoir que les 50% de la jeune fille qui était juive, eh bien, il a épousé toute la juive qui est en elle. Il n'a pas laissé 50% de disponible pour quelqu'un d'autre. Donc ça n'a rien à voir. Comment tu compares l'incomparable? Eh bien, Rav Hizda va dire qu'elle est behemet mekudeshet. Et regardez la grandeur de ce Rabba Baravuna. C'est extraordinaire. Tout de suite, après avoir reconnu son erreur, il va tout de suite rectifier le tir. Regardez la grandeur d'âme de nos Hachamim. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, après cette remarque que lui a adressée Rav Hizda, regardez ce qu'il va faire. Hadar okim rabba rabuna amora ale vedarash. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est ravisé, mais en public. Il a amené un émora. Vous savez c'est quoi un émora? Un orateur. Un émora, c'est un orateur, c'est-à-dire une personne qui retransmettait les paroles du rav au public. Le rav, il parlait à l'oreille.
de l'interprète, du porte-parole, il lui disait qu'est-ce qu'il fallait retransmettre au public, et l'autre, c'était l'orateur qui allait retransmettre avec un peu de développement et d'une manière à ce que ce soit audible pour tous les gens qui étaient assis au lointain, car le rav ne devait pas faire d'effort physique, vocal. Il parlait à voix basse, de manière concentrée, concise, au Emora. Et le Emora répétait. Eh bien, figurez-vous, pour avouer son erreur en public, lui-même, il a fait venir un Emora. Il lui a dit, vas-y, dis-leur que je me suis trompé et que je me ravise. Et je dis maintenant le contraire de ce que j'ai dit. Mais en plus, comment il a commencé sa dracha, il leur a dit quelque chose de très beau. Qu'un homme, en réalité, il n'arrive à comprendre que par les erreurs. Il faut passer par l'erreur pour comprendre le vrai. En Adam omed al divrei Torah elaim ken nirshal bahem. Un homme, finalement, arrive à mieux comprendre les divrei Torah, c'est lorsqu'il a dit une erreur et on lui a fait la remarque et il a reconnu et après il réfléchit, il approfondit, il comprend maintenant le vrai grâce au faux. C'est de l'obscurité que sort la lumière. C'est grâce à l'obscurité qu'on apprécie la lumière. Alors voilà, c'est ce qu'il a fait. Okim ale emora vedarash ve'amarche lazot achat yadecha. Ce pasouk dans Ishaïa me dit, cette erreur, elle est sous ta main. Qu'est-ce que veut dire ce pasouk au niveau de Racha? En Adam omed al divrei Torah elam ken nirshal bahem. Un homme n'arrive à mieux comprendre les divrei Torah que lorsqu'il s'est trompé au début. Et voilà maintenant ce qu'il faut dire. Je dis le contraire de ce que j'avais dit auparavant. Aval picham uam kadesh hatzi isha edam kudeshet aval hetzia shifra vehetzia bat horin shenit katsha kidushia kidushin maitama hatam shiyer bekinyano acha lo shiyer bekinyano. Donc maintenant, il a donné raison à Rav Hizda, qui lui avait dit qu'il n'y a aucune commune mesure entre une Hetzia Shifra et Hetzia Bat Horin et une fille juive classique. Une fille juive classique, lorsque quelqu'un lui a dit « Hare'at, Hetzir Mekudeshet li, je ne voudrais épouser que la moitié de ta personne, pourquoi elle n'est pas Mekudeshet ?» Parce que quand il lui dit la moitié de ta personne, ça veut dire qu'elle peut se marier avec un autre homme. La moitié pour lui, la moitié pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est impossible. Donc, « Ena mekudeshet ». Mais là, dans « Hetzia shifra » et « Hetzia bat horin », ce n'est pas pareil. Car elle n'a que « Hetzia bat horin ». La seule partie qui est épousable, qui est mariable en elle, c'est la partie qui est « bat horin ». Eh bien, cette partie, il a totalement épousée. L'Oshier Bekinyano, il n'a pas laissé de vacation dans son Kinyan pour quelqu'un d'autre. Il a épousé tout ce qu'il pouvait épouser. Étant donné qu'elle était Hetzia Shifha et Hetzia Bat Horin, il n'y a que la partie Bat Horin qui est mariable. Mais la partie Shifha n'est pas mariable. Donc il a épousé tout ce qu'il pouvait épouser. Il n'a rien laissé pour quelqu'un d'autre. Donc, Bémet, elle est Mekoudéchet. Voilà comment Rabba Baravuna a reconnu l'enseignement de Rav Hizda. Donc, maintenant, ça nous fait une marloquette. Car on a d'un côté Rav Hizda et Rabba Baravuna qui dit qu'un homme qui a donné une bague à une Hetzia Shibha, Hetzia Bat Horin, elle est Mekoudéchet. Il faut un guet, si jamais. Un guet, la moitié ? Oui, si jamais. Parce qu'il ne peut pas vivre avec elle, il n'a pas le droit. Donc il doit lui écrire un guet. Et ce guet-là, il va créer la rupture là où il y a un lien. Et par contre, Rava avait dit qu'elle n'est pas Mekoudeshet. Elle n'a pas besoin de guet. Car de la même façon que un homme qui dit à une femme « Hetzier Mekoudeshet li » ça ne marche pas. Ainsi, un homme qui est Mekadesh « Hetzia Shifha » et « Hetzia Bat Horin » elle n'est pas Mekoudeshet. Ça nous fait pour l'instant un contre deux. Rava contre Rabba Baravuna et Rav Hizda. Mais maintenant on va voir que Rav Shechet, il pense comme Rava. Donc ça va faire deux contre deux.
אמר רב ששת, כשם שמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, אין קידושיה קידושין. C'est-à-dire que Rav Sheshet pense comme Rava, qu'elle n'est pas mekudeshet. De même qu'on ne peut pas épouser une demi-femme, ainsi on ne peut pas épouser une Hetzia Shifha et Hetzia Bat Horim, c'est une demi-femme. Ve'im la hashach Adam Lomar, Ezo hi Shifha Harufa. זו שחציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי על מה בת יתרוסי אמור לו כלך אצל רבי ישמעאל שהוא אומר בשפחה כנענית המאורסה לעבד עברי ושפחה כנענית בת יתרוסי c'est à dire alors רב ששת Il vient de dire qu'en effet, Amarav Sheshet, Keshem Shamekadesh Hatsi Isha Ena Mekudeshet, Kar Hetzia Shifra Vechetzia Bat Horin, Shenit Kachan Kidushia Kidushin. Impossible d'épouser une demi-Shifra, demi-Bat Horin. Impossible. Ve'im la Hashra Adam Lomar. Et si quelqu'un y vient et te chuchote à l'oreille en te disant Mais c'est faux ce que tu dis. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'on ne peut pas. Épouser une demi-shifra, demi-bat horin. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'on ne peut pas épouser la demi-shifra, ainsi on ne peut pas épouser la demi-bat horin, la personne va te dire, c'est pas vrai, on peut épouser une shifra. Pourquoi? Tu vois bien, on peut bien épouser une demi-shifra, demi-bat horin. Pourquoi? Quelle est la preuve que oui, on peut épouser une demi-shifra, demi-bat horin? Eh bien, Evet Ivri, lorsqu'un homme est propriétaire d'une part d'un Evet Ivri et d'autre part d'une shifra kenaanite, on le sait très bien que le Adon a le droit de donner une shifra kenaanite à Evet Ivri pour produire. Pour produire des ravadim. Mais ça ne s'appelle pas Kiddushin. A priori, ça ne s'appelle pas Kiddushin. D'accord? Ok. Mais nous connaissons aussi celle qui s'appelle Shifha Harufa. C'est quoi Shifha Harufa? Une Shifha qui est fiancée à Eved Ivri. Et comment est-ce possible qu'une Shifha soit fiancée au Eved Ivri? À tel point que si cette chifra-là est partie avec un autre homme, cet homme-là, il y a deux possibilités. Soit il a été avec elle bémézide, il savait que c'était assour, il savait qu'elle était consacrée, malgré tout il a été avec elle, il recevra 39 coups. S'il a fait béchogeg, il doit apporter un corban expiatoire qui s'appelle Hacham Shifra Harufa. Pourquoi? Car elle était avec un Hébet Ivri. Le Hébet Ivri, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a donné une bague, il lui a dit « Areat mekudeshet li betabaratzuk et dat moshev Israël ». Tu vois qu'il y a une différence, en fait, entre une shifra qui est à 100% shifra kenaanit, celle-là, elle n'est pas épousable, puisqu'elle est considérée comme un hamor, mais celle qui est moitié shifra, moitié bat horin, elle est oui mariable. La preuve, c'est que si jamais le Adon a demandé à son Eved Ivri de la prendre à celle-là, il a prise comment? Eh bien, il a épousé. Elle s'appelle Shifra Neherefet Leish. Elle est consacrée à cet homme. Dans le sens où elle est mariée avec lui. Kiddushin Tofsin. Et qui, donc tu vois que Kiddushin Tofsin, alors tu vois qu'un Eved Ivri peut épouser une Hetzia Shifra et Hetzia Bat Horin. Alors tu vas aller, donc ça va à l'encontre de ce que j'ai dit. Nachon, tu vas m'adresser une telle objection. J'ai une réponse pour toi. Il lui dit, en fait, là-bas ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas considéré des vrais Kiddushin. C'est juste une consécration.
quelle est la preuve? Il lui dit, Klach lecha etzel Rabbi Ishmael. On avait déjà vu la grande mahloket entre Rabbi Ishmael et Hachamim, à savoir la Shifha Harufa. Est-ce qu'elle est Hetzia Shifha Hetzia Bat Horim ou est-ce qu'elle est à 100% Shifha? Vehi Shifha Neherefet Leish. Selon Rabbi Ishmael, eh bien, elle est à 100% Shifha. Car lui, il ne fait pas la dracha de Vehofde lo Nifdata. Pedouya ben Abdouya. Il dit Dibra Torah Kelachon ben Adam. Behemet, elle n'est pas Pedouya du tout. Elle ne s'est pas rachetée. Elle est à 100% esclave cananéenne. Mais étant donné que son maître l'a consacrée au Revet Ivri, alors elle s'appelle Shifha Neherefet Leish. Shifha Harufa. Une servante consacrée à un homme. Et la Torah nous dit que dans ce cadre-là, si elle a trahi son Revet Ivri, eh bien, celui qui a été avec elle, il apportera un korban, Shifra Harufa, si c'est Beshogeg, ou 39 coups, si c'est Bekoret. Donc tu vois que la Torah la considère comme sa femme un peu. Ce n'est pas une échétige, parce que sinon, il serait Hayav Mita. Une femme mariée classique qui trompe son mari, eh bien, ils sont condamnables à la peine capitale, ils sont condamnés à la peine capitale, ce n'est pas le cas. Mais la Torah dit, quand même, il y aura 39 coups, si c'est Bémézid. Il y aura un korban à charge. Et pourtant, il n'y a pas de Kiddushin. Rabbi Ishmael, qui a dit qu'on parle d'une 100% Shifha, est bien d'accord que en Kiddushin Tofsin, et pourtant, il y a un korban. Alors, ça ne veut rien dire. Le korban n'est pas une preuve, comme quoi les Kiddushin sont Tofsin. La preuve, c'est que pour Rabbi Ishmael, elle est à 100% Shifra. Et c'est évident que en Kiddushin Tofsin be Shifra, puisqu'elle est comme un Hamor, il n'y a pas de Kiddushin pour un Hamor. Eh bien, malgré tout, il y a un Korban, Hasham Shifra Harufa. Eh bien, pareil, pour celui qui dit que Shifra Harufa, ce n'est pas une 100% Shifra, c'est une 50-50. Elle est Hetzia Shifha, Hetzia Bat Horin, Vehofde Lonivdata, Pedouya Venapdouya. Elle est consacrée au Revet Ivri parce que le maître lui a dit vas-y avec elle. Ce n'est pas au titre des Kiddushin entre le Revet Ivri et les 50% de sa partie libre. C'est ça qui a fait que maintenant elle s'appelle Shifha Harufa. C'est pas parce qu'elle est à moitié libre et que les Kiddushin sont off-sin sur la moitié de sa personne qui est juive. C'est ça qui fait que celui qui va avec elle, il doit apporter un korban à Sham Shifa Harufa. Non, c'est simplement la consécration. Le fait que cette femme-là, elle est entièrement consacrée à ce Evet Ivri, c'est ça qui entraîne le korban à Sham Shifa Harufa si elle a trompé. C'est pas parce que les Kiddushin Tofsin. La preuve, c'est que pour Rabbi Ishmael, elle est à 100% Shifra. Et donc c'est sûr qu'il n'y a pas de Kiddushin. Et malgré tout, il y a un Korban, Hasham Shifra Harufa. Donc ce n'est pas une preuve. Le fait qu'il faille apporter un Korban, ce n'est pas une preuve que les Kiddushin Tofsim dans Hetzia Shifra Hetzia Bat Horim. J'ouvre une parenthèse pour dire, ce n'est pas que pour le Revet Ivri que ça marche. Même n'importe quelle personne qui va donner une bague à cette femme-là, si pour le Revet Ivri, ça pouvait prendre effet, si les Kiddushin prenaient effet entre le Revet Ivri et la demi-Shibra, demi-Bat Horim, eh bien les Kiddushin devraient prendre effet aussi. Si jamais un juif classique qui n'est pas Rav Ivri va lui donner une bague en lui disant arrête mes coups d'échetli, tabadzo kedat Moshe v'Israël, ça devrait prendre effet. Car il n'y a pas de différence entre un Rav Ivri et un homme classique. La seule différence entre eux, c'est est-ce que c'est permis ou c'est interdit. Pour le Rav Ivri, la Torah l'a permis. La Torah a dit que le Adon peut donner à son Rav Ivri
La Shifra Kenaanit. Mais pour un homme classique, c'est assourd. Très bien. Alors, je relis ça dans les mots. Ve'im la hashra adam lomar. Et si quelqu'un vient te chuchoter une objection en te disant Ezo shifha harufa, zo shechetsia shifha behetsia batchorin, qu'appelle-t-on une shifha harufa pour être hayav korban, korban, hasham shifha harufa? C'est celle qui est à moitié libre, à moitié shifha, qui est fiancée à Eved Ivri, Alma Batit Rousseau. Donc, ça veut dire qu'il existe des fiançailles entre le Eved Ivri et, la femme qui est à moitié libre. Et Morlo, réponds-lui à ce monsieur-là qui te pose cette question, dis-lui, que là, Hetzel Rabbi Ishmael, va écouter Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Ishmael? Chez Omer. Il dit qu'elle n'est pas du tout libérée, elle est à 100% Shifha, et pourtant, il y a un korban Hasham Shifha Harufa. Shifha Kenaanit Batit Roussei, est-ce qu'une Shifha Kenaanit, elle peut être Arusa? Là, Batit Roussei, elle peut pas être Arusa, et pourtant, et la Maït Lachlemema, qu'est-ce que tu es obligé d'accepter? Tu es obligé de dire que Shifha Harufa, ça ne veut pas dire une Shifha qui est Arusa. C'est une Shifha qui est Meyuhedet, qui est consacrée. Mais pas sacrée. Elle est réservée au Eved Ivri, mais elle n'a aucun statut de fiancée. Ah, non. Et malgré tout, étant donné que le Adon l'a réservé au Eved Ivri, c'est ce qui fait que si jamais elle a trompé son Eved Ivri, qu'elle est partie avec un autre homme, il sera Hayav Korban Hasham Shifha Harufa. Voilà comment Rav Sheshet a très joliment répondu à cette auto-objection. Amar Rav Rizda. Et Rav Rizda maintenant nous donne encore une halakha nouvelle. Donc une fois qu'on a compris tout cela, vous avez la base pour la suite. La suite c'est un peu plus subtil, un peu plus complexe. Et maintenant Rav Rizda nous donne un hidush maintenant plus subtil, plus complexe. Amar Rav Rizda, Hetzia shifha vehetzia bat horin, shenit kadesha l'Irouven, venishtahrera, vehazra venitkadesha l'Shimon. Ometushnehem, mitia bemet le Levi, ve en ani koreba eshet shenemetim. Rav Rizda dit quelque chose d'extrêmement hidouchique. Il dit, bien qu'on ait dit que dans l'absolu, il y a un problème de eshet shenemetim, il n'y a pas de hiboum quand femme s'appelle la veuve de deux morts. Dans ce cas-là, qu'on va tout de suite décrire, bien que ça pourrait paraître comme étant la femme de deux morts, elle n'est pas considérée comme la femme de deux morts, et par conséquent, il pourrait y avoir Iboum. Comment est-ce possible que ça ressemble à un cas de Eshet Shnemetim, et pourtant, on dit que non, elle ne s'appelle pas Eshet Shnemetim, elle s'appelle Eshet Met Ehad. Voilà le cas. Il y avait trois frères. Reuven, Shimon et Lévi. Reuven a épousé une Hetzia Shifha et Hetzia Bat Horin, une jeune fille qui était à moitié Shifha, moitié Bat Horin. Rav Rizda nous avait dit qu'elle aimait Koudeshet. Donc, évidemment, elle aimait Koudeshet à combien? Qu'à 50%. Car on ne peut pas être Mekadesh, la deuxième moitié qui est Shifha. La partie Shifha n'est pas épousable. Donc, comme cette fille, elle était à moitié affranchie, quand Reuven lui a donné la bague et les kiddushin, elle était mekudeshet à qui? À Reuven, à moitié. Ensuite, son maître l'a totalement libérée. Maintenant, elle a l'autre moitié qui s'est libérée. Qu'est-ce que fait Shimron, le frère de Reuven? Il vient la voir et lui dit, viens,
Areat mekudeshet li betabarzu gidat Moshe Israël. Deuxième kiddushin. Elle dit maintenant je suis libre à 50%. Elle lui donne le doigt. Et voilà, mekudeshet, tac. Ça fait maintenant deux frères, Reuven et Shimon, qui ont fait l'acte de kiddushin. Je parle de l'acte de kiddushin. Alors juste la bague avec la même femme. Le premier quand elle était à moitié libre et le deuxième Shimon quand elle était totalement libre. Et maintenant les deux sont morts. Reuven et Shimon. Question, Lévi, est-ce qu'il doit faire iboum avec cette jeune femme? La logique voudrait que non. Pourquoi? Parce que c'est Metin. Étant donné qu'elle avait fait Kiddushin avec Reuven, elle a fait Kiddushin avec Shimon, et maintenant les deux sont morts, donc elle s'appelle la femme de Metim, de deux morts. Et on a déjà dit qu'il n'y a pas de iboum à faire avec l'épouse de deux morts, la veuve de deux morts. Alors comment se fait-il que Rav Hisda lui-même dit qu'il n'y a pas de problème, il peut faire iboum? Alors regardez quelque chose d'extraordinaire. Rav Hisda donne une svara, une raison extraordinaire. Manafchar. I kidouché de Reuven kidouchin, kidouché de Shimon lav kidouchin. Ve i kidouchin de Shimon kidouchin, kidouchin de Reuven lav kidouchin. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit comme ça. De deux choses l'une. De deux choses l'une. Soit elle était la femme de Reuven, soit elle était la femme de Shimon. Mais si elle était la femme de Reuven, elle n'a jamais été la femme de Shimon. Si elle a été la femme de Shimon, c'est qu'elle n'a jamais été la femme de Reuven. On s'explique. Alors je vais un petit peu anticiper. Peut-être que pour mieux comprendre cela, je vais faire une marche arrière. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais à titre pédagogique, je vais avancer encore trois lignes pour gagner encore un élément supplémentaire au niveau de la halakha qui va nous aider à mieux comprendre ce qu'on vient de lire. Regardez la suite. Itmar, Hetzia Shifra Behetzia Bathorin, Shenitka Desha Lirouven, Venishtahre Rabbi Hazra Venitka Tcha Lishimon. Rav Yosef Bar Hama Amar Rav Nachman Pakou Kiddushé Rishon et Rabbi Zer Amar Rav Nachman Gamrou Kiddushé Rishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabotai, je vous en prie, ne tombez pas dans ce piège. Là maintenant, la Gemara nous parle de Reuven et de Shimon. Ce ne sont pas des frères. Dans ce dernier cas, Reuven et Shimon, ce ne sont pas des frères. C'est Reuven de la rue, Shimon, c'est quelqu'un d'autre de la rue, rien à voir, ils n'ont pas de lien de parenté. Simplement. Deux hommes libres. Deux hommes qui n'ont pas de lien de parenté. Ce n'est pas deux frères, bien qu'on les ait appelés Reuven et Shimon. Alors que juste avant, quand on a parlé de Reuven, Shimon et Lévi, c'était trois frères. Maintenant, ces Reuven et Shimon ne sont pas des frères du tout. Donc il n'y a pas d'Iboum. Alors, on ne parle pas d'Iboum. Regardez de quoi il s'agit. On parle d'autre chose. Il était une fois une jeune fille qui était Hetzia Shifha et Hetzia Bathorin. Et voilà, Mr. Reuven l'a croisée. Il lui dit, veux-tu m'épouser? Elle lui répond, oui. Il prend la bague, il lui enfile, il dit, mekudeshet li betabarzu kedat Moshe ve Israël. D'accord? Alors maintenant, est-ce qu'elle est mekudeshet? Mais qu'est-ce qu'elle était cette femme? Elle était Hetzia Shifha, Hetzia Bathorin. Est-ce qu'elle était Mekudeshet? Bravo. Rav Hisda avait dit qu'elle est Mekudeshet. Il n'y a pas que Rav Hisda qui avait dit qu'elle est Mekudeshet. Il y avait également Rav Baravuna qui s'était ravisé. Mekudeshet. Il y a Rav Shechet et Rava qui disent non, Ena Mekudeshet. Mais Rav Hisda et Rav Baravuna disaient Mekudeshet. Parce que l'Oshir Bekinyano, on rêvera Botaï, écoutez quelque chose d'incroyable. Répondez-moi, je fais ça en tant que devinette. Quel est le din, cette jeune fille, qui était Mekoudéchette à moitié, parce qu'elle était libérée qu'à moitié? Selon Rav Hisda, elle était Mekoudéchette à moitié. Et maintenant, elle a été libérée.
à 100%. Elle est maintenant à 100% juive. Qu'en est-il maintenant de son statut marital ? Il n'est plus valable. C'est-à-dire ? Parce qu'elle a été affranchie complètement, parce que lui, il a pris en tant que demi-asservi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle est ? Le mariage n'est plus tough. Bravo ! Bravo, c'est ingénieux ce que vous dites. Kol hakavod. Selon un avis, une opinion, les kiddushin préalables ont disparu. Car quand il avait épousé, elle avait un statut de demi-shivra, demi-bat-horin. Maintenant qu'elle a été totalement libérée, alors maintenant elle s'appelle convertie au judaïsme à 100%. Avant elle était à 50% convertie au judaïsme. Maintenant elle est à 100%. Vous connaissez la règle ? Tout converti au judaïsme a un statut de nouveau-né, comme si cette personne vient de naître. Bien que biologiquement, elle est née il y a 60 ans, mais spirituellement, elle est née il y a 3 secondes après le mikvé. C'est-à-dire que dès que cette personne a fait la mila et la tvila, ou pour une femme la tvila, bon, c'était ici on parle de... Je parle de guerre, hein, guerre classique, je ne parle pas de chiffres. Un guerre classique, dès qu'il s'est trempé au mikvé, fini chez les juifs, nouveau-né. Guerre chez Nidgayer qui est katan chez Nolat. Pareil, pour un Eved Kenaani ou une Chifra Kenaanit qui ont été affranchis, ils sont convertis au judaïsme naturellement, eh bien, c'est comme des nouveau-nés. Alors regardez qu'est-ce que nous dit ici Rav Yosef Barhama au nom de Rav Nachman. Étant donné que cette jeune fille qui était à moitié Shifra, à moitié Bet Horin, quand elle s'était mariée avec Mr. Reuven, elle était mariée par rapport à ses 50%. Mais maintenant qu'elle a été totalement libérée, c'est une nouveau-née. Si c'est une nouveau-née, alors les kiddushin préalables ont disparu. C'est comme si Reuven, Mr. Reuven, avait épousé une femme qui n'existe plus. Elle s'est évaporée. Elle s'est dissipée. Maintenant, il y a une nouveau-née. C'est cette femme-là. C'est comme l'histoire du frère. Convertie au judaïsme. Elle perd eh bien, elle perd sa maintenant, c'est comme s'il n'a jamais épousé. Donc, c'est une jeune fille qui n'a jamais été épousée. Maintenant, si elle donne son doigt à Mr. Shimon, un homme de la rue, hein, c'est pas le frère d'Ouvel, eh bien, les Mekoudeshet. Très bien. Maintenant, regardez la deuxième Shita, c'est Amar Abizera, Amar Rav Nachman. Avant, c'était Rav Yosef, au nom de Rav Nachman. Maintenant, c'est Rav Zera, au nom de Rav Nachman, qui dit le contraire. Gamru Kiddushé Rishon. Gamru Kiddushé Rishon. C'est le contraire. Lorsqu'elle s'est mariée quand elle était à moitié Shivha, moitié Bat Horin, donc c'est la moitié de sa personne qui a été épousée par Mr. Reuven. Et maintenant qu'elle a été totalement libérée, vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Les Kiddushin qui étaient sur la moitié de sa personne se propagent dans tout son corps. Maintenant, la deuxième moitié qui est devenue juive et incarne désormais le statut de mariée. Elle est désormais Maria Reuven. Mais c'est la mahloket. Ce que vous avez dit, c'est Rabbi Yosef, au nom de Rab Nachman. Mais Rabbi Zera dit le contraire. Rabbi Zera dit que cette jeune fille qui était mariée à Reuven à moitié, dès qu'elle s'est libérée totalement, eh bien, le mariage qu'il y avait sur les 50% se propage sur les 100% de sa personne. Gamru Kiddushé Rishon. Les Kiddushim du premier de Reuven, Gamru. Ils se sont terminés, c'est-à-dire se sont complétés. Alors, répétez-moi les deux avis. Il y en a un qui dit Pakru Kiddushé Rishon et l'autre il dit Gamru Kiddushé Rishon. Ça veut dire, si le premier Reuven lui avait donné une bague quand elle était à moitié libre, Ariat Mekoudeshet Li, et maintenant elle a été totalement libérée, qu'est-ce qui se passe ?
Elle appartient à Réhouven. Mahloket. Mahloket, selon Rav Yosef, au nom de Rav Nachman, elle n'appartient pas à Réhouven. Et donc, si elle a donné ensuite son doigt à Shimon, elle est mekoudeshet à Shimon. Selon Rabbi Zera, au contraire, les kiddushin de Réhouven maintenant se complètent. Et donc, si elle a donné son doigt à Shimon, elle n'est pas mariée à Shimon. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée déjà à Réhouven. Alors maintenant que vous avez entendu cette marloquette, je fais marche arrière. Je reviens à l'histoire de Iboum. Et maintenant, on parle de Réhouven, Shimon, Lévi, des trois frères. Écoutez ça. Et là, le hidouche de Rafrizda devient succulent. Regardez ça. Réhouven a fait Kiddushin avec Hetzia Shifha, Hetzia Bat Horin, quand elle était à moitié libérée, mais Kudeshet. Rafrizda avait dit, mais Kudeshet. Ensuite, elle a été libérée totalement. Le frère, Mr. Shimon, le frère Shimon, il a fait Kiddushin deuxième fois. Donc ça fait qu'elle a reçu Kiddushin première fois de Réhouven, quand elle était à moitié affranchie, et une deuxième fois de Shimon, lorsqu'elle était totalement affranchie. Maintenant, les deux sont morts. Lévi vient poser la question et dit, mon Raïver Abotaï, dois-je faire Iboum? C'est la question qu'il pose. Doit-il faire Iboum, oui ou non? Alors, nous, on aurait dit, mais non, pourquoi? C'est Shechne Metim, c'est la femme de deux morts. La femme de deux morts, il n'y a pas de Iboum. Eh bien, c'est faux. Rav Chisda dit, manafchar, d'une manière ou d'une autre, il doit faire Iboum. Pourquoi? Car, ou bien elle s'appelle Mekoudeshet à 100% à Réhouven, ou bien elle Mekoudeshet à 100% à Shimon. Tout dépend de la marloquette d'après. Est-ce qu'on dit Gamru Kiddushé Rishon ou Pakru Kiddushé Rishon? Est-ce que les Kiddushin du premier se sont complétés ou les Kiddushin du premier ont disparu et ils ont été remplacés par les Kiddushin du deuxième? Alors, si on dit que... Si on dit que quand elle a été libérée, les Kiddushin du premier ont été complétés, ça fait que les Kiddushin du deuxième sont caduques, nuls et non avenus. Donc elle n'est que la femme de Réhouven. Alors Lévi doit faire Iboum avec la veuve de Réhouven, car elle n'a jamais été l'épouse de Shimon. Mais si on dit le contraire, que les Kiddushin qu'avait fait Réhouven quand elle était Hetzia Shifra et Hetzia Bat Horin, et ensuite elle a été libérée totalement, et ensuite Shimon a fait Kiddushin avec elle, alors à ce moment-là, on a dit Pakru Kiddushé Rishon, donc elle est mariée à 100% à Shimon. Et donc si elle est à 100% à Shimon, elle n'est pas la veuve de Réhouven, car les Kiddushin de Réhouven ont sauté pour laisser la place aux Kiddushin de Shimon. Donc elle est la femme exclusivement de Shimon. Donc Lévi doit faire Iboum avec la veuve de Shimon. Alors celle-là, elle est la veuve de qui? De Réhouven ou de Shimon? Mahloket. Il y en a un qui dit qu'elle est la veuve de Réhouven et pas la veuve de Shimon. Il y en a un qui dit qu'elle est la veuve de Shimon et pas la veuve de Réhouven. D'une manière ou d'une autre, mais Manafchar, elle est soit la veuve d'un frère, soit la veuve de l'autre frère. Donc il n'y a pas chez Nemetim. Elle ne s'appelle pas la veuve de deux morts, elle est la veuve d'un seul mort. Et donc le hiboum s'impose, on dira Frisda. Vous avez goûté au miel là? Oui, oui, c'est bon. Faites bracha harona là. Je vais essayer de récapituler, bien que ce soit simple. Mais je vais résumer très rapidement et succinctement, à savoir que lorsque nous avons une jeune fille qui était Hetzia Shifra et Hetzia Bat Horin, et elle était Mekoudeshet à quelqu'un qui lui avait dit Ariat Mekoudeshet libetabadzu kedat Moshe l'Israël. Selon Rav Chisda, oui, Kiddushin Tofsim, les 50% de juives qu'il y a en elle ont été acquis par ces Kiddushin. Les Kiddushin ont pris effet. Maintenant, que se passera-t-il en cas de libération totale? Si elle a été affranchie totalement, qu'est-ce qui va se passer avec cette jeune fille? Eh bien, c'est une mahloket entre Rav Yosef et Rabbi Zera au nom de Rav Nachman. Rav Yosef va dire « Pak'u Kiddushé Rishon ». Rabbi Zera va dire « Gamru Kiddushé Rishon ». C'est-à-dire,
Je vais commencer par celui qui va dire Pakou Kidouché Rishon. Rav Yosef dit un Hidouche extraordinaire au nom de Rav Nachman, c'est que cette jeune fille, étant donné que avant elle n'était que à moitié libérée, et maintenant elle est totalement libérée, c'est ce qui lui donne un statut de guilloret, de converti au judaïsme. Et par conséquent, tout ce qui s'est passé auparavant n'existe plus au présent. Car il y a l'avant et l'après conversion au judaïsme. C'est pour cela, bien que les Kiddushin auparavant avaient pris effet avec cette demoiselle, ça a pris effet, elle était mekoudeshet à moitié, mais maintenant qu'elle a été totalement libérée, elle est considérée comme maintenant, présentement, convertie au judaïsme, oui. Et nous avons une règle, que toute personne qui est convertie au judaïsme, comme, elle est considérée comme venant de naître actuellement. Ger shenit gayer kekatan shenolad. Et donc les kiddushin de son ex-mari ont disparu. Elle est maintenant célibataire, automatiquement célibataire. Si quelqu'un vient et lui dit arrête mes coups d'échette et qu'elle donne son doigt, tout va bien. Elle est mes coups d'échette au second, puisque le second l'a épousée après sa conversion au judaïsme. Mais selon une autre version, Rabbi Zera, au nom de Rav Nachman, il dit pas du tout. Elle n'est pas considérée comme convertie au judaïsme complètement. Elle est convertie au judaïsme qu'à moitié. Elle avait déjà une première moitié qui était convertie au judaïsme. Cette première moitié était déjà mes coups d'échette. Donc maintenant qu'elle a été libérée totalement, donc il y a 50% nouveaux, il y a des nouveaux 50% de filles juives en elle, qui ne l'étaient pas auparavant, mais on ne peut pas appeler ça nouveau-né. On ne peut pas appeler cette femme nouvelle personne, car elle était déjà branchée sur le réseau juif. Elle était déjà à 50% juive, donc à 50% mekoudeshet. Maintenant qu'elle est devenue à 100% juive, alors les kiddushin des 50% traversent maintenant tout son corps et toute sa personne est devenue mekoudeshet toujours au premier. Car le premier avait déjà été mekadesh 50%. Et bien ces kiddushin maintenant se propagent dans les 100% de sa personne. Et pourquoi j'ai anticipé? Parce que je trouve que cette explication est indispensable pour mieux comprendre le hidouche de Rav Hisda. Rav Hisda avait dit que s'il y avait deux frères, Reuven et Shimon, Reuven lui a donné les kiddushin quand elle était à 50% libre. Ensuite, Shimon lui a donné Kiddushin quand elle était à 100% libre. Et après, les deux sont morts. Est-ce que Lévi, le troisième frère, doit faire Iboum? Rav Hisda a dit oui. Comment ça se fait? Pourtant, elle est Eshet Shnemetim. Rav Hisda a dit non, elle n'est pas la femme de deux frères. Elle est la femme que d'un seul frère. Car soit elle est la femme de Reuven, soit elle est la femme de Shimon. Comment peut-on concevoir qu'elle est la femme de Reuven seulement? Eh bien, d'après Rabbi Zera, qui a dit « Gamru kidouché Rishon ». Reuven l'avait épousée quand elle était à 50% libre. Eh bien, maintenant que, qu'elle a été libérée totalement, Reuven est devenu le seul mari. Donc quand Reuven est mort, excusez-moi, donc lorsque Shimon lui a donné les Kiddushin, c'est caduque, c'est nul et non avenu, car elle ne peut pas se marier avec Shimon si elle est déjà mariée à Reuven. C'est comme une femme mariée, elle donne son doigt à un étranger. Est-ce qu'un étranger peut dire à une femme mariée « arrête mes coups d'échette » Ce n'est pas possible. En Kiddushin Tovsin, même pas besoin de guette, c'est zéro, c'est nul et non avenu. C'est des paroles qui s'envolent, qui n'ont aucun sens. Eh bien, la même chose, le frère Shimon, quand il lui a donné cette bague après sa libération totale, il lui a dit « arrête mes coups d'échette », c'est du n'importe quoi, car elle est déjà mes coups d'échette à Réhouven.
vu que les 50% de Kiddushin qu'il y avait en elle auparavant, qu'elle était Mekoudeshet à Reuven, se sont propagés dans les 100% de sa personne, et toute sa personne est Mekoudeshet à Reuven. Donc quand elle a donné son doigt à Shimon, ça n'a servi à rien. Elle n'est pas la femme de Shimon, elle est la femme que de Reuven. Mais selon la deuxième approche, où on dit Pakou Kiddushet Rishon, que si elle a été libérée, affranchie totalement, alors elle est considérée comme nouveau-née parce qu'elle est convertie au judaïsme comme si elle vient de naître. Alors on dit que les Kiddushin de Reuven d'avant, ils ont sauté car il avait épousé une femme, mais maintenant c'est une autre femme, car la conversion au judaïsme fait d'elle une nouvelle personne. Cette nouvelle personne n'a jamais été mariée à qui que ce soit. C'est clair. Et donc maintenant, quand elle a donné son doigt à Shimon, eh bien elle est Mekoudeshet à Shimon. Elle est Mekoudeshet à Shimon. Alors maintenant, quand Reuven et Shimon sont morts, Lévi se pose la question, doit-il faire Iboum ? Il faut lui répondre, oui, monsieur Lévi, parce que elle est soit la veuve de ton frère Reuven, soit la veuve de ton frère Shimon. Elle n'est pas la veuve des deux. Amar Rabbi Zera, kavate didi mistabra. Ça, c'est une expression très sympathique. Rabbi Zera dit, il me semble que ce que je dis, c'est plus logique que ce que tu dis. Kavate didi mistabra. C'est plus logique ce que je dis. C'est sympa. Parce qu'en général, quand je dis quelque chose, donc ça veut dire que je pense que c'est logique. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'il dit, ça me paraît plus logique ce que je dis. Ça veut dire que j'ai deux oreilles. J'écoute aussi ce que tu dis. Ça veut dire que parfois, malheureusement, quand on parle, on est hermétique aux paroles de l'autre. Mais là, non. Comme si j'étais étranger à moi-même et que je mettais sur la balance ton opinion et la mienne. Et maintenant, je réfléchis. Et malgré tout, dit Rabbi Zera, Kavate didi mistabra. Pourquoi ? Regardez quelle est sa preuve. Dirtiv, d'abord juste rappelez-moi qu'est-ce qu'il avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit que c'était là, que ça. Bravo. Gamrou Kiddushet Rishon. Lorsque le premier avait fait Kiddushin avec Hetzia Shifha et Hetzia Bat Horin, et ensuite elle a été totalement affranchie, et bien maintenant qu'elle est à 100% libre, que se passe-t-il avec ces Kiddushin qui n'étaient qu'à moitié ? Il se propage sur la totalité de sa personne et désormais elle est entièrement Mekoudeshet la Rishon. Gamrou Kiddushet Rishon. Rabbi Zera veut démontrer qu'il a raison de dire cela. Sur quoi il s'appuie ? Sur la halakha de Shifha Harufa. Lo yumtu ki lo hupasha, ahupasha yumatu. Lorsque cette jeune Shifha a trahi son Eved Ivri, elle a trahi son mari, quel est le din? Alors, on a dit qu'il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de peine capitale comme pour une Eshet Ish classique. Il n'y aura que Korban Hasham Shifha Harufa si c'était Beshogeg ou Malkut si c'était Bemezid. La Torah nous dit clairement pourquoi il n'y a pas de condamnation à mort. Lo yumatu ki lo hupasha, car elle n'avait pas été totalement libérée. Elle n'était que servante. Elle n'était pas une Eshet Ish classique. Regardez comment Rabbi Zera fait la déduction. Il dit ha hupasha, mais si elle avait été ensuite libérée, yumatu. Pourquoi? Pourquoi yumatu? Parce que tu es obligé de dire que dès qu'elle a obtenu sa libération totale, les Kiddushin qui n'avaient pris effet qu'à moitié, désormais prennent effet dans la totalité de sa personne. Donc maintenant, c'est une Eshet Ish classique. Voilà la preuve. Voilà d'où il déduit la preuve à son affirmation. Vous, quelqu'un veut répéter quelle est la preuve de Rabbi Zera, ou bien je répète? Ah, je répète. La Torah nous dit que celui qui a été avec cette Shifha Harufa qui était consacrée au Eved Ivri, il doit apporter Korban Hasham Shifha Harufa si c'est Beshogeg, ou Hayav Malkut Bikoret Iyeh si c'est Bemezid. Mais la Torah elle-même nous dit, mais ils ne seront pas condamnés à mort. Lo yumatu. Pourquoi la Torah elle te dit ça?
Loyumatu. Pourquoi Loyumatu? Qui l'ohupacha. Car elle n'était pas libre. Sous-entendu, s'il a été libéré, Yumatu. Alors, comment comprendre ce pasouk? Regardez comment il nous explique la chronologie. D'abord, le Adon a donné cette Hetzia Shifra, Hetzia Bathorin au Ebed Ivri pour produire Maron des esclaves. Mais qu'est-ce qu'ils vont être? Qu'est-ce qu'ils vont être, ces enfants-là? Moitié, Hetzia Shifra, Hetzia Bathorin. Cette femme-là, elle a trompé son Ebed Ivri. Est-ce que cette personne qui a été avec cette femme, est-ce qu'il sera Hayav Mita, oui ou non? Non. Non. Et la Torah elle-même dit Lo Yumatu. Et pourquoi Lo Yumatu? Qui Lo Hupacha? Car elle n'était pas libérée. Complètement. Complètement. Bravo. Mashma, que si ensuite, après avoir été Hetzia Shifra, Hetzia Bat Horim, et qu'elle était consacrée à son Eved et Ivri, et qu'elle a ensuite été complètement libérée, désormais qu'est-ce qu'elle devient? Hayav Mita. Pourquoi? Eshet Ish. Et comment elle est devenue Eshet Ish? Mais il n'y avait que 50% qui étaient mariés avec ce Eved Ivri. Il n'y avait pas les autres 50? Elle a été libérée. Bravo. Ça veut dire que la libération fait que désormais la partie qui n'était pas mariable est devenue mariable. C'était les 50% de Shifra qui maintenant ont été libérés. Donc elle est disponible au mariage. Que se passe-t-il? Naturellement et automatiquement, les kiddushim qui n'avaient pris effet que sur 50% se propagent dans les 100%. Donc maintenant, si elle va aller avec quelqu'un, Yomatu Hayav Mita. Magnifique. Elle est libérée, pour lui, elle est libérée directement par les premiers kiddushim. C'est quoi qui libère? Oui. Non. Alors, elle est affranchie par son maître. Après l'avoir épousée, il l'a affranchie. C'est pas le fait de l'épouser qu'il a franchi. C'est ça, exact. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dès que le maître l'a affranchi? Rabbi Ziradi, tu vois que j'ai raison. Automatiquement, elle devient Eshet Ish. Elle devient Eshet Ish à 100%. Et si maintenant, elle va quelqu'un, alors c'est pas juste Hacham Shifra Hagoufa. C'est Yomato. Donc voilà la preuve que Gamru Kidushé Rishon. Rabotai, c'est fort. Oui. Alors, Abaye était l'élève de Rabbi Yosef. Il défend son maître. Et il dit, non, mon maître qui a dit, après l'affranchissement, après la libération de cette jeune fille, c'est pas que les kiddushin se propagent dans les 100% de sa personne, pas du tout, au contraire, quand elle est libérée, elle est considérée comme convertie au judaïsme, donc elle est considérée nouveau-née, donc les kiddushin préalables se sont dissipés, ont disparu. Pakrou Kidushé Rishon. Donc maintenant, c'est une célibataire à 100%. Car c'est une nouveau-née. Toute personne convertie au judaïsme, guerre, chenit gaïer, kekatan, chenolad. C'est comme un bébé qui vient de naître. Elle n'a jamais été mariée. Nahon, c'est ce qu'avait dit Rabbi Yosef. On est bien d'accord. Donc elle n'est pas Eshet Ish. Au contraire, elle est célibataire. Et Abaye veut dire pourquoi. La preuve de Rabbi Zira n'en est pas une pour son maître. Pourquoi son maître réfute cette preuve? Regardez ce que dit Abaye. Amarle Abaye. Ultana de Rabbi Ishmael de Amar Veshif Hakena Anita Meoreset. L'Eved Evri. Achinami de Chirupacha Yumatu. El Amait Lach Lemema. Shim Chupacha Vechazra Venitkacha. Achanami. Chirupacha Vechazra Venitkacha. Aïe, aïe, aïe. Abaye, à chaque fois qu'on étudie Abaye, on se dit, mais d'où sort ce génie-là? C'est incroyable, l'ingéniosité de Abaye. Regardez ce qu'il lui dit à Rabbi Zera. Ta preuve n'en est pas une. Car, prends Rabbi Ishmael, la chita de Rabbi Ishmael. On avait vu que c'était une marloquette fondamentale entre Rabbi Ishmael et Chachamim, à savoir quel est le statut de la Shifra Harufa. Est-ce qu'elle était entièrement Shifra? C'est ce que pense Rabbi Ishmael. Ou bien cette Shifra Harufa, elle était Hetzia Shifra de Hetzia Bat Horim à Mekudesh et l'Eved Ivri. D'une manière ou d'une autre, on parle d'un Eved Ivri qui se trouve avec une Shifra. Seulement la question est de savoir, est-ce qu'elle est à 100% Shifra, dont le maître l'a réservée au Eved Ivri, ou bien on parle d'une demi-Shifra, demi-Bat Horim. Qu'est-ce qui se rappelle de quel passou qu'on déduit qu'elle est Hetzia Shifra, Hetzia Bat Horim? Le Yom Tov qui le coupe. Non.
Vehofde l'onivdata. Pedouya venabdouya. Elle s'est rachetée qu'à moitié. Mais Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il disait ? Dibra Torah kelashon bene Adam. Il n'y a rien à déduire de cette répétition. D'accord ? Ok. Alors regardez comment Abaye prétend que la preuve de Rabbi Zibra n'en est pas une. Pourquoi ? Parce que d'après Rabbi Shmuel, cette femme, elle est à 100% Shifra. Est-ce que Kiddushin Tofsin Beshifra ? Bravo ! Pourquoi le Hébet Ivri qui donne une bague à la Shifra, il lui dit arrête, mais écoute, déchète libre et tabazou, que dans le Moshé d'Israël, ça ne marche pas. Qui peut me dire pourquoi ? On l'a déjà dit plusieurs fois. À 100%. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi elle est en Kiddushin Tofsin qui peut me rappeler le passou que Rashi a cité dans Sefer Bereshit, Parashat Lech Lecha, Parashat Vayera, pardon. Chevou lachem po'im hamor. Avraham Avinu avait dit à Ishmael Eliezer, reste ici avec le hamor. Amad domé la hamor. Un hamor, quelqu'un qui dirait un hamora, riat me kudeshet li. Un kudeshet ? Non ! Alors, quelqu'un qui dirait un shifra, riat me kudeshet, c'est comme un hamor. Et kidushin tom, c'est. Tout le monde en convient, tout le monde est d'accord. Alors, comment se fait-il que malgré tout, il y a korban hacham shifra haroufa pour quelqu'un qui irait avec cette jeune fille ? Parce que la Torah a dit qu'une shifra qui est neherefet le ish, qui est consacrée au rêve d'Ivri, hayav, hayav, un korban hacham. Et si c'est bémézid, hayav malkout. Mais pourquoi il n'y a pas de hayuv mita qui l'ohupacha, car elle n'a pas été libérée. Mais si maintenant elle a été libérée, Rabotai, si maintenant elle a été libérée, est-ce qu'elle devient échette ish automatiquement du Hevet Ivri ? Bravo que non. Quand la cabote, pourquoi ? Parce que tout simplement, au départ, c'était... Excellent, excellent. Puisqu'au départ, elle était à 100% Shifra, il y avait zéro Kiddushin. Il n'y avait pas Kiddushin à 50%. Il y avait zéro Kiddushin. Donc ne me parle pas d'automatisme. Ne me dis pas que la libération totale de cette jeune fille fait d'elle une femme Mekoudeshet. Parce qu'elle était à 50% Mekoudeshet. Maintenant qu'elle est libérée à 100%, alors elle est à 100% Mekoudeshet. Et naturellement, automatiquement. Ben, pitom. Alors comment tu comprendrais, d'après Rabbi Ishmael, qui nous a dit qu'on parle d'une Shifra à 100%, qui n'est pas Mekoudeshet du tout. Alors quoi, toute seule, dès qu'on va la libérer, elle va être Mekoudeshet. Ma pitom. Donc tu es obligé de dire, que veut dire la Torah quand elle a dit Loyumatu ki lohupasha. L'oyumtu qui l'ohupacha, ils ne seront pas condamnés à mort parce qu'elle n'a pas été libérée. De quoi on parle ? De quoi on parle ? L'oyumtu, on parle d'une jeune fille qui a été libérée. Mais il n'y a pas eu, le Hébet Ivri n'a pas refait des kiddushin. Mais s'il refait des kiddushin maintenant qu'elle a été libérée, ah, c'est déjà une autre histoire. D'accord. Maintenant elle est mekoudeshet. Car quand elle était Shifra, elle ne pouvait pas se marier, car elle était Shifra. Mais maintenant qu'elle a été libérée, si jamais le Hébet Ivri fait avec elle des Kiddushin, des vrais, Ariat Mekoudesh et Li, maintenant qu'elle est juive, c'est sûr que Kiddushin Tovsin. C'est sûr que maintenant, si elle le trompe, alors Yomatu. Je crois que ce n'est pas sa liberté qui rend le... Hazak. Donc il n'y a pas d'automatisme. C'est tout ce que veut démontrer Abaye. Abaye a démontré par A plus B qu'on ne parle pas de Kiddushin automatique. Il n'y a pas de Kiddushin automatique. On parle de Kiddushin qui ont été faits effectivement après la libération. Eh bien là aussi. Donc il y a zéro preuve pour Rabbi Zera. Et on va terminer le sujet. Rabbi Yohanan ben Broka, d'Amar al Shneem ou Omer, Vaivarech Otam Elokim, Vaiomer Laem Elokim, Perurbu Milu et Haaretz. Nous savons qu'il existe une très grande mahloquette fondamentale entre Rabbi Yohanan ben Broka et Hachamim, à savoir, est-ce que la mitzvah de Piria Verivia incombe qu'au mari ou bien même à la femme? Est-ce qu'une femme est concernée par la mitzvah de Piria Verivia? Non. De se multiplier, de fructifier. Non. Bravo, vous dites non parce que c'est la halakha. La halakha est comme hachamim. Mais n'oubliez pas la shita de Rabbi Yohanan ben Broka. Rabbi Yohanan ben Broka pense que Peru Urvu, au pluriel, c'est une mitzvah qui a été donnée à la femme comme à l'homme.
Les deux ont une mitzvah de reproduire. La reproduction, c'est une mitzvah qui incombe aussi bien à la femme comme à l'homme. C'est ce que dit Rabbi Yochanan ben Roka. Mais Hachamim disent non, c'est uniquement à l'homme. Alors maintenant, écoutez la remarque de la Gemara qui est très forte. Rav Katina, Rav Huna bar Katina, au nom de Rabbi Yitzhak, a raconté une histoire. Maase, Beisha Ahad, Shechetzia Shifra Vechetzia Bat Horin, Vekafu et Rabba Vehasa Bat Horin. Il y avait une servante qui était à moitié Shifra Kenaanit et à moitié libérée. Car au début, elle avait deux propriétaires, l'un d'entre eux l'a libérée, donc il ne restait plus que 50-50. 50 libres, 50 asservis, esclaves. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu voir le maître, on lui a dit, et libère-la. Écris-lui un get shihru, libère-la à 100%. Et comme on a dit, bien sûr qu'il faut qu'elle s'engage à lui payer le prix de sa propre valeur. Il ne faut pas que le maître perde de l'argent. C'est évident qu'elle profite de sa libération, elle va devoir travailler toute sa vie pour payer le crédit afin de se racheter, c'est évident. Rabotai, qui est-ce qui peut me rappeler quelle est la raison pour laquelle Bet Shammai et Bet Hillel étaient d'accord pour dire Kofin et Rabo verose oto ben Horin. Mishaya Hetzio Evet Vehetzio ben Horin. Kofin et Rabo vekotev loget Shehru. Vekotev Shtar Aldama. Rappelez? Pourquoi celui qui a moitié Evet, moitié ben Horin, son maître est obligé de le libérer? Pourquoi les Hachamim ont fait cette takana? Bravo! Car cet homme ne pourra épouser ni une juive, ni une Shifra Kenaani. Pourquoi il ne peut pas épouser une juive? Car il a moitié Révède. Pourquoi il ne peut pas épouser une Shifra Kenaani? Car il est à moitié juif. Alors, la Mishnah dit quoi? Il bat-elle? Alors tu vas lui dire, c'est pas grave, tu croises les bras et tu vas ni avec une Shifra Kenaani, ni avec une juive, tu n'auras pas d'enfant, ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas possible de lui dire une chose pareille? Ve'alolo nivra olam elalepiria verivia, que je m'en fous d'acréer le monde pour l'installer avec une humanité qui se reproduit constamment. La pérennité de l'humanité, c'est un objectif tellement noble que pour cette mitzvah de piria verivia, comme dit le Passouk dans Ishaïa, l'autoubera'a, la chevet, etc. Le monde n'a pas été créé pour le tohu-bohu, mais pour l'installation. On oblige son maître à le libérer pour qu'il puisse épouser une juive. Alors, on a vu dans cette histoire que c'était pareil. Elle était mi-shifha, mi-bat-horin. On a imposé à son maître la libération de cette jeune fille. Pourquoi elle a une mitzvah de piria veribia? Mais selon Hachamim, la femme n'a pas une mitzvah de reproduction. Alors pourquoi on a imposé au maître de la libérer? Parce qu'elle ne peut pas se marier ni avec un révède, ni avec un juif. Et alors qu'elle se marie avec personne, qu'elle croise les bras. Elle n'a pas de mitzvah de reproduire. Ah, donc forcément, cette histoire est d'après qui? Rabbi Hanan ben Broka, qui a dit que même la femme a une mitzvah de piria verivia. Ça marche? C'est pour qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, la mitzvah, elle peut revenir chez la femme, c'est pareil qu'elle enfante et que... Ah non, un Rabbi Shimon a tzaddik, non. La femme n'a pas d'obligation de se marier pour avoir des enfants. Oui, mais l'humanité, la création, le Pérou... C'est pour ça que Kachbourou lui a donné l'envie de se marier et lui a donné l'envie d'avoir des enfants. Vous savez quoi? C'est extraordinaire. Vous voyez, même des grandes filles jouent avec des poupées. Vous mettez des poupées et des voitures dans une salle d'attente, chez le médecin, les garçons vont prendre des voitures, les filles vont prendre des poupées. Ouais, j'ai vu une fille de 14-15 ans, elle a pris la poupée. Mais franchement, ça, c'est la nature que Akadosh Baruch Hu a créée chez la femme d'avoir envie d'avoir des enfants. Pour permettre à l'homme qui a la mitzvah d'avoir des enfants. Parce que si la femme n'a pas la mitzvah et n'avait pas le désir d'avoir des enfants, eh bien les hommes auraient pu attendre jusqu'à demain pour se marier. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a créé cette nature, mais il n'a pas de mitzvah.
d'après Chachamim. Il n'y a que Rabbi Yochanan de Roka qui dit qu'il y a la mitzvah. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a obligé le propriétaire à la libérer totalement? Parce qu'elle ne veut pas se marier a priori, ni avec un Révet, ni avec un Juif. Et alors qu'elle se marie avec personne. Quel est le problème? Quel est le problème? Mais il n'y a pas de mitzvah! On avait dit que toute la raison pour laquelle on imposait au maître la libération, c'est à cause de la mitzvah qu'il a. L'onivra ha'olam ela le piria berivia. Mais le piria berivia, c'est une mitzvah pour qui? Pour l'homme ou la femme? Non, répondez-moi, Rabbi Shimon. Pour l'homme. Alors pourquoi est-ce qu'ici, pour la femme, on a imposé la libération de cette femme? Et la vaddaï, que cette histoire, elle est basée sur l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka, qui a dit que c'est pas que l'homme qui a la mitzvah, même la femme. Ça veut dire que d'après Hachamim, et là, elle est comme Hachamim, on n'aurait pas imposé la libération de cette jeune fille. On aurait dit, tu te maries avec personne, quel est le problème? Ne te marie avec personne. Oui ou non? Qu'est-ce qu'ils font au Pérou, au bout? Regarde. Qu'est-ce qui est étonnant dans ce qu'on vient d'apprendre? Vous savez ce qui est étonnant? C'est que Rabbi Yitzhak s'appuie sur Rabbi Yochanan ben Broka, au lieu de s'appuyer sur Hachamim, la halakha est pourtant comme Hachamim. Alors pourquoi on a imposé au maître la libération de cette demi-servante? Écoutez, Rabotai la Gemara répond. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, lo, minhag efker nahaguba. Aïe, la halakha est comme Hachamim, qui disent que la femme n'a pas la mitzvah de reproduction de Piriam et Rivia. Alors pourquoi dans cette histoire on lui a imposé la libération? C'est parce que cette femme-là, étant donné qu'elle ne pouvait pas se marier avec un juif, elle ne pouvait pas aller avec un Eved, parce qu'on lui a dit tu es frappé d'interdiction. Alors malheureusement, elle se prostituait. Et comme elle se prostituait, donc, elle faisait tomber dans le piège des hommes. Hachamim ont dit Minha Gefker Nahaguba. Elle était Mafkira et Atzma pour le tikkun Aolam, pour pas qu'elle soit un piège pour les hommes, pour pas qu'elle cause, qu'elle entraîne des Averot. Eh bien, ils l'ont libérée afin qu'elle puisse se marier et être préservée.